Hey, Linda, c'est quoi la vidéo que préférée que tu préfères dans ma chaîne YouTube? C'est quoi les vidéos préférées que tu préfères sur ma chaîne YouTube? Rien. Rien? Non, rien. C'est pas très gentil ça de me clash, je dois vous avouer, mademoiselle. Non, mais j'aime tout. Ah, ok. Mais t'as dit que t'aimais aucune vidéo il y a 2 secondes. Oh, mais rien, oui, rien. Est-ce que t'es bourré? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Bon, moi, j'arrive. je construis bien. Hein. Je vais tomber. Ah, Je vais c'est te faire bon. sneak. Mais j'ai pas envie. Bah, tu vas tomber. Et si tu tombes, faut faire slash. Yes. Merde. What's up, internet? J'espère que vous allez bien sur le pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Je me suis muté sur Discord parce que mon ami jouait avec sa soeur et puis sa soeur elle a genre 11 ans. Elle est assez mignonne quand même, on va pas vous le cacher, c'est pour ça je vais sûrement mettre des petites séquences avant où ce que je lui demandais des questions, où ce qu'elle était un peu timide, vu que je suis son youtubeur préféré, comme vous devez vous le savoir. Je suis vraiment un youtubeur magnifique et merveilleux, comme vous le savez tous. Donc, on est sur Cryptonia aujourd'hui, les amis. Je vais ouvrir quelques clés qu'on m'a données. Avant, on va faire un kit ticket. On a notre ticket quotidien. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer la dernière fois, que j'ai pas eu la chance de vous montrer. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on doit gratter. Comme ça. Et là, on a eu quoi? Attends, qu'est-ce qu'on a eu? Obtiens 3 cadeaux ou plus et c'est gagné. J'ai pas obtenu 3 cadeaux, malheureusement. J'ai perdu. Zut de flûte, les amis. Zut de flûte. Par exemple, quand on fait ça, ça rapetisse notre truc, mais bon, c'est pas grave. Donc, ouais, ils m'ont donné 5 tickets boutique, ils m'ont donné 2 Explo Box, ainsi que 3, 4 Apatite Box et 2 Crypto Box. Donc, on va commencer par une Explo Box. Donc, c'est parti. Ça c'est les trucs genre œuf de Creeper, TNT, tous les trucs vraiment OP, je pense que c'est. Et on a eu un œuf de Creep, qui est quand même commun, I guess. Commun. C'est marqué, ouais, c'est quoi? En gros, ça commence comme une dynamite. Ok, 2 dynamites puis 2 œufs de creep, ça c'est OP. Donc faudrait peut-être avoir 2 œufs de creep. 2 dynamites, ce serait vraiment nice. Let's go. Ah, la TNT. Fuck, man. On n'a pas eu tellement de bonnes choses, hein, les amis. On va pas se le cacher. C'était pas notre meilleure chose. On va directement ouvrir les tickets. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? Encore en 2, on a perdu. Fuck, what the fuck? Fait chier ça. Et on a gagné. On a gagné quoi? On a gagné quoi, vous pensez, les amis? Oh, tu as gagné des fioles d'XP, ok. On a déjà 2 cadeaux, 4 cadeaux. Ouh. Je pense qu'on les a assez découverts, les cadeaux, les amis, là. Non? Ouh, un Under Pearl. Des Under Pearl. Allez, 2 autres. J'aime fucking ça, ce système-là, dude. Il n'y a aucun launcher, un autre launcher qui fait ça. C'est vraiment intéressant, dude. Sérieusement, crats à vous. Crypto, c'est vraiment bien fait. Un kit de construction. Ouh, ça va nous avoir donné des blocs et tout. Et le dernier, please. Ah, oh, bah oui, on l'a facilement, celui-là aussi, les amis. Dans le fond, il y en a un qu'on n'a pas eu. C'est triste, mais c'est la vie. Et on a gagné un. Oh, melon speed. Ok, nice. Donc là, on peut retourner en vidéo setting large. Moi, je joue en large, normalement. Ouais, je joue comme ça, normalement. Je crois, ou je joue peut-être pas en ça, même. Je crois que je joue pas en ça. Je joue en auto. Voilà. Donc, on a quand même pas mal de stock, les amis. On va juste mettre dans notre C. Ou si, regardez, on peut débloquer un Under Chest plus grand. On peut les débloquer en les achetant pour plus de thunes. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant. Donc, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Obsidienne, puis tout le bois, parce qu'on aura sûrement besoin pour faire des coffres. TNT, Under Pearl ainsi que l'XP aussi. Et le reste, on va ouvrir les clés. Donc, les Apatite Box. Ça se trouve où, ça? Ils doivent être dans tous les coins. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la Crypto Box. Bon, on a 2 clés Crypto Box. On va l'ouvrir. Let's go! Ah, oh, j'allais dire, regardez qu'est-ce qu'on peut obtenir dedans avant. C'est pas grave. Let's go! On a gagné 2 clés d'Apatite Box. Un autre, let's go. Ça va nous faire plus de clés en vrai, les amis. Oh lolo! Let's go, spawner, please! Wouah! Les gars! Demandez et nous obtenons. Tiens. Il est où mon spawner? Ah, il est là, les amis. Oh, on pourra tester le truc à spawner. On pourra tester, les amis. Ça va être intéressant. J'ai hâte de.
de voir comment ça va se passer ça. Et là, il faudrait juste trouver l'autre côté où est-ce qu'il y a la boîte bleue. Ben, je pense qu'elle est bleue parce que tu sais, le nom il est bleu, puis le truc est bleu. Ah, là, il y a une boîte bleue. Une boîte bleue ici. On va aussi aller voter après pour essayer d'obtenir un peu d'argent ou des trucs comme ça. Y a-t-il des CF sur le. Ouais, voilà. Donc, let's go. Oh, j'ai pas checké quand ce qu'on pouvait obtenir. Bon, c'est pas grave, let's go. Oh, je pensais qu'on allait avoir encore un spawner. C'est genre. Oh! Nope! Ok, c'est comment? Ah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ok. Donc, on peut obtenir un Orb de Feather Falling qui est super rare. Un Orb de Fire Resistance. Un P4 Aria. Une clé de la Crypto Box en ouvert. Un spawner squelette. Un spawner zombie. Un P4 Pyro. Spawner poulet. Deux fragments de Kryptonite. Puis là, ça, c'est tous les trucs qui sont moins rares dans le fond. Obsidienne, tous les trucs comme ça. Fait qu'on a quand même encore 5 clés, les amis, en espérant qu'on a de la chance qu'on peut obtenir un P4 ou quelque chose pour aller PvP. Ce serait vraiment fucking cool. Oh! 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 Je pensais que ça allait arrêter sur le truc P4 Pirate, man. Ah, oh, c'est pas, les gars. Let's go, let's go. Let's go, come on! Ah, oh, si, ça l'a fait un fake. Ça l'a arrêté sur le spawner encore, man. Fuck! Trois autres, let's go. Il en reste deux après celle-ci, les amis. Please! Encore de l'XP. On a plein d'XP, on pourra enchanter plein de trucs, ça c'est cool. Let's go. Let's go, les gars. Let's go. Oh! Oh, tabarnak, man! Ça fait tout le temps la même chose. Melon de speed, par exemple, ça c'est bon, là, je veux dire. On n'aura pas besoin de potions de speed. Come on, un P4 ou quelque chose de bon, please! Encore d'XP. Calice de tabarnak. On a eu genre 50 millions d'XP. Y a-t-il un HDV? Est-ce que vous pensez qu'on pouvait vendre ça? Ouais, y a un HDV, c'est vrai. XP. Bottle XP. Of enchantment. Voilà. Donc, ça se vend 100$ pour 64. Ouais. 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 Ça vaut pas tant cher que ça. Ok. Est-ce qu'ils m'ont donné un grand YouTuber? Oui, on a un grand YouTuber. Donc, on a. Oh! On a plein de kits, j'avais oublié, j'avais zappé. Donc, un instant, on va acheter ça, ça, ça. Ça, ça, ça. On va mettre ça dans notre essai. Tu veux donc? Je dis pas non. Si ça peut répondre à ta question, je dis pas non. Message. Message Fana. Je dis pas non. J'ai oublié le nom. Lol. T'as pas notre essai qu'on voulait faire, c'est les kits. Ouais, les kits, les kits. Donc, qu'est-ce qui est le meilleur kit sur le serveur? J'imagine que le kryptonien, c'est pas le meilleur. J'imagine que le divin, c'est le meilleur. Ouais. Voilà. On a un armure bleu qui est le Aria. Attends 2 secondes alors. Pas de soucis, mon ami. De toute façon, je vais m'éloigner. Je vais me faire une petite base avec des coffres, etc. Puis moi, je vais vous reprendre, mes amis. À tout de suite. Mis un cheater dans le serveur, il a dit oui, je cheat. Donc, c'est pas très gentil de cheater, man. Tu devrais faire attention, pas cheater pour te faire capter par les administrateurs, mec. Ok, il y a un gars fanatique qui dit qu'il veut nous débattre à Skybase, mais il dit de pas trahir ou quoi, là. Tu sais, mon but, c'est pas de trahir ou quoi. Un abonné fidèle, bien sûr, les amis. Va pas l'être. Une chance, j'ai enlevé les colonies. En gros, il est pas très riche, comme je. What the fuck, c'est quoi ça, de l'aria? Hein? Il est quand même riche, le gars, hein. Quand même riche le gars. Mais non, j'ai pas besoin d'Askabesh, jeune homme. Merci quand même. Bonne journée, fanatique. C'était un plaisir de te rencontrer, jeune homme. À la prochaine. À plus dans le bus. J'ai remarqué quelque chose, qu'il n'y avait pas de cooldown sur les Under Pearls. Donc regardez, mettons check une pearl là. Puis regardez, on va arriver, boum, on peut en check un autre directement. Ça peut être intéressant pour piller certaines bases. Passer à travers les murs. Fait que toutes les underpearls qu'on a eu dans le fond, ça peut vraiment nous être utile si on y réfléchit parce que. Là, on pourra pas rentrer peut-être dans des bases qui ont pas fait des fulls pour bonne protection, etc. Là, je vais juste m'éloigner. J'ai fait un home là-bas au cas où que le gars il me tuait ou quoi, mais. Il avait l'air gentil. Il avait l'air gentil. Donc là, on va juste s'éloigner, essayer de faire une petite place pour mettre des coffres. Ensuite, on essaiera de PVP. Tester un peu le PVP, qu'est-ce que le PVP a de l'air, les amis. Puis ouais, ça va nous faire un bon début sur le serveur. Peut-être trouver une Sky ou quelque chose, ou trouver une base à raid aussi, peut-être. On verra bien qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je continue à m'éloigner dans cette. What? Ok, c'est un nuage. What the fuck? Normalement. Ok, le gars, il dit qu'il y a un don. J'imagine que c'est un troll. Ok. Message levé.
TP, quoi. On va le TP ici, on va le tree, on va le trap. Non, c'est pas vrai quand même, j'oserais pas faire ça. Slash TP, yes. On attaque ce qui téléporte, les amis. Viens au spawn. Ok, serum far slash spawn. On va au spawn, les amis. Et on l'a trouvé, notre ami est là. C'est ce que je vous parle, des petites images autour de leur tête, c'est vraiment cool. Comment on gratte l'étiquette avec la souris, man? Je dois te suivre. Ok. Ok. Il me donne ses kits en fait. 11 fragments de crypto. What? What? C'est pas le meilleur minerai ça? Puis il m'a donné un P4. En a. What the fuck? Jeune homme. Jeune homme. Du calme. What the fuck? What the fuck? Ok. J'aime les textures de ce launcher là, c'est hallucinant. Attendez les gars, c'est quoi? C'est-tu? Ok, ça nous fait un kryptonite. What the fuck? Ok, nice, nice. Au moins on en a un. What the fuck? Ça c'est quoi des random ores? C'est nice aussi la texture. Tête de Wither, obsidienne, ok, fucking d'XP, fucking de trucs. Message, levé, ouais, merci beaucoup. Le pyrope est meilleur que le truc bleu. Comment ça s'appelle ça? Apatite, ou le aria. Apatite. Apatite ou aria. Go CF 100, j'ai même pas 100 pièces, mec. Fanatique. Fanatique. Non, c'est Pyrope, Aria, Apatite, Kryptonite. Ok. Ok, merci beaucoup. Ok, c'est cool. Fait que là, en fait, ça, c'est meilleur que ça. Pyrope, Aria. Ouais, donc ça, on n'a pas vraiment de besoin. Mais bon, comme je dis, on va se faire une petite base avec des coffres puis tout. Puis on pourra mettre le stuff qu'on n'a pas trop besoin dedans. Fait que, on se reprend. À ce qui paraît, Fanatic veut aussi nous faire un don, à ce que j'ai compris. Donc on va voir. Je suis pas mal full. Désolé. J'ai pas mal full inventaire, donc je sais pas qu'est-ce qu'il va nous donner. On verra bien. Turek, oui. Tu as une épée verte dans ses mains. Oh! 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 What? Attends, c'est quoi l'ordre déjà? J'ai oublié qu'est-ce que le gars nous avait dit. Apatite, what the fuck, les gars? What the fuck? Je m'excuse, mais je vais te donner ça, ok? Parce que tu m'as donné tellement de bon stuff, ok? Je vais te donner de la merde, moi. Enfin, de la merde. C'est genre un peu moins bon? Merci, mec. Oh my god. OMG, merci beaucoup. Dédié au village de Broche. Broche, c'est quoi? C'est une ville en France, ça? Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi? Merci beaucoup, mec. Tiens, je vais donner par gracieuseté un underpearl. Bisous, merci beaucoup, fanatique. Oh, yo, what the fuck, les gars, on peut réserver notre XP, regardez. J'ai 42 niveaux dans cette bouteille-là, j'ai tout mis l'XP. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ok, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Si ça marche comme je pense, ok, on va faire de quoi de vraiment fucked up, les gars. On va jeter ça vu qu'on n'aura pas de besoin. On va regarder les nouveaux minerais. Ok, what the fuck. Pourquoi je récupère tout ce que je lance? Calice. Ok, checkez bien ça. On va faire bottle XP. Ok, on va faire ça. Ensuite, on va prendre notre essai. On va prendre toutes les bouteilles d'XP qu'on a. Et on va faire 10 niveaux à chaque. Ok, à chaque fois qu'on va être 10 niveaux, on va le mettre en bouteille. Comme ça, on va avoir plein de bouteilles de niveau 10. On va pouvoir les fusionner ensemble. Comme ça. Là, on fait... Slash bottle XP. Good. On continue comme ça. Je vais faire ça plein de fois, puis je vais vous montrer que ça va fucking mieux. C'est plus équivalent des niveaux. What the fuck, les gars? Je me promenais tranquillement en faisant mes bouteilles d'XP, puis j'ai trouvé ça. What the fuck? Stop, stop, stop. The fuck? The fuck? Ok, c'est à quelqu'un, ça? Il y a peut-être... C'est allumé, donc il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Quelqu'un que sous. Tiens.
puis on va casser la machine. C'est qu'on est fi... What the fuck? Genre qu'on trouve une machine comme ça. What the fuck? What the fuck? Je prends un skin pour le miniature. Mais what the fuck? Genre qu'on a trouvé une base comme ça. What the... une femme dans plein mur de le... What the... Je suis genre choqué, man. En plus, c'était en marche. Fait que si on l'active, genre... Là, ça marche plus, mais... Il y a quelqu'un qui était là il y a pas longtemps, ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? La stone, ça, je le prends. Piston collant. Puis la stone, je vais prendre aussi. Tout cassé. Personne ne saura. Allez, salut! LOL! Ok, j'ai fini de lancer toutes les bouteilles d'XP. Il y en a que j'ai dépassé un peu parce que, bon, j'ai lancé trop de bouteilles à la fois. Donc, 13, 11, 10, 42. Fait qu'on va tout lancer ça. Boum, 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 boum. Ok, voilà. Plus 42. Fait qu'on aurait pu en voir aux alentours de 300 niveaux. Bien entendu, vous pouvez le faire aussi au niveau 1, hein. Genre, au niveau 1, là, si on l'aurait fait à chaque un niveau, là, ça aurait été crissement long, mais on aurait pu avoir facilement 500-600 niveaux, là. Fait que c'est sûr que c'est long à faire, mais c'est vraiment une bonne technique pour avoir max d'XP facilement. Puis là, regardez, on va juste faire ça, whoop-là, slash EC, et là, boum, on aura nos 278 niveaux ici. Fait que, voilà, les amis, je pense que ça va être un peu... L'épisode d'aujourd'hui est un peu plus différent d'habitude, donc on a enfin un spawner. Ah oui, d'ailleurs, on va regarder un peu comment ça marche les spawners. Donc, comment ça marche les spawners? Spawner, ok, je veux... Comment je fais? Le prochain bloc que vous tapez va se transformer en spawner. Vous devez... Ok, faut que ce soit un bloc de cobblestone. Ok, attendez. Ok. Spawner. Ok. Là, c'est un spawner pig zombie. Le prochain bloc, ok, là je veux le récupérer. Là ça nous dit les coordonnées, donc comme vous voyez, j'étais à la base de l'autre de tantôt. Là si je veux le récupérer, je fais comment? Un de vos spawners retiré de ce monde et remis dans la liste de vos spawners. Et là, boum. Ah, stylé. Puis là ensuite, comment on fait pour le mettre spawner token? C'est pas comme ça? Y'a pas de façon qu'on puisse le mettre en token? Ok, attends, je vais regarder... comment on met un spawner en token? On va voir, je pense qu'il y a une façon qu'on peut mettre un spawner en token puis ensuite l'échanger aux gens. Mais je sais pas c'est quoi la commande. Spawner jeton. Ok, mais c'est quoi mon esti de... L'idée, moi c'est... 708. Et là, ça, c'est une pièce à mon jeton de spawner pig zombie. Donc là, si je fais HDV, mettons, je pourrais vendre mon spawner contre de la monnaie. Ok, stylé. Mais si je clique dessus, a été reset. Et là, ça a été mis dans mon truc à spawner. Mais si je l'aurais donné à quelqu'un, la personne l'aurait activé. Et puis là, boum, ça l'aurait mis. Ok, c'est vraiment bien fait, en fait, leur système de jetons de spawner. Vraiment super bien fait ce launcher-là, sincèrement les amis. Si vous avez envie de le rejoindre, le lien du site va être dans la description. Venez faire un tour sur le serveur les amis, il en vaut la peine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. Je vous aime énormément, passez une excellente fin de journée. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.